samedi, c'est tuto. Avec Gérard, hein, comme d'habitude. T'aurais pas pu m'aider à pousser, toi, hein. Ah. Donne soif, tout ça. Aujourd'hui, dans les samedis tuto, on va faire un peu de mécanique sur le combi de Monsieur Looping. Bah oui, parce qu'elle passe plus les vitesses, mon chef, là. Alors, d'après le devis du mécano, ce serait un problème de fourchette dans la boîte de vitesse. Donc aujourd'hui, dans les samedis tuto, bah on va voir comment changer une fourchette de boîte. Alors bon, bah la boîte de vitesse, c'est par là que ça se passe. Donc bah, on démonte. Là. Tu t'occupes de ça, Gérard? Voilà. Ça te fera cuver un peu, en plus. Bon bah, pendant que Gérard démonte la boîte, on va pas se laisser abattre. Sympa le coin, non? Mam. Ah, apparemment Gérard a fini de démonter. Bah, on va aller voir ça. Ah, bah c'est nickel ça, mon chef. T'aurais pu éviter de mettre de l'huile partout, hein, mais bon. T'aurais pu nettoyer aussi, un peu. Gras comme ça, ça me rappelle une copine. Elle aussi, elle avait le gras qui dégueulait du bocal. Alors, fais voir la fourchette. Ah bah, effectivement, il en reste pas lourd de la fourchette. En même temps, faut dire que Looping a un bon coup de fourchette. Bon bah, on va remonter une fourchette neuve, hein. Toujours dans le respect de la mécanique. Voilà. C'est du bon boulot, Gérard, ça. Là. Et t'es pas obligé de mettre ta ceinture, ce coup-là. Il n'y en a pas. Mais ça passe bien mieux, ça, mon chef. Allez, faire un petit tour pour essayer, quand même. Mam. Mais c'est du bon boulot, ça. Bah ouais, Gérard. Bon, bah voilà. Vous savez comment changer une fourchette de boîte de vitesse maintenant. Allez! Bon week-end!